Bienvenue à Livron-sur-Drôme. On est à la mini-gare de Livron. C'est la gare que je prenais quand, quand j'allais en BTS à Montélimar. Il est 9h09. On vient de passer à la boulangerie de Marie chercher des pains au chocolat, croissants, sandwich. On va direction Marseille. On a un avion à 3h30. Direction le... Maroc. Maroc. Trop pratique de prendre le train à Livron au lieu d'aller jusqu'à Valence, parce que Livron, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment la ville en fait en face de chez moi. Eux ils sont côté de Drôme, moi je suis du côté d'Ardèche. Comme ça on a pu se faire déposer ce matin. Et là voilà, c'est parti pour 4 jours, enfin 3 jours et demi au Maroc. Peut-être qu'on va aller au soleil où il fait chaud. Parce qu'ici il fait froid. Hein. En fait la grosse différence qu'il y a, que j'ai noté aussi, c'est qu'à l'intérieur au Canada il fait. Vu qu'il fait très froid à l'extérieur, c'est vachement bien isolé. Et nous dans l'appartement, sans chauffage, il fait toujours entre 24 et 26. Avec, parce que c'est tout vitré. Et en fait ici, bah du coup, c'est moins vitré. Et puis c'est des maisons indépendantes. Et en fait, bah, du coup, il fait vachement plus froid à l'intérieur. Et nous, on n'est pas habitués. Oui, à nos gouttes. On se retrouve plus tard. Ça y est, on a eu le premier petit déjeuner. Cheers. Yes, I saw that. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette première journée au Maroc. T'as bien dormi? Oui, c'est bon. C'est bon, t'as bien mangé ce matin? Yeah. C'est bon. That was good. Ouais, c'était bien. On a mangé sur la terrasse. Je mettrai l'adresse, tout. Je ferai un article où il y aura toutes les informations de ce qu'on a fait ici. J'avais trouvé le Riad en fait en faisant des blogs et des recommandations enfin d'autres voyageurs. Et c'est vraiment cool. C'est bien situé. Et là donc on allait se promener un petit peu ce matin. À 3h30 on a rendez-vous pour notre balade en chameau. J'ai trop hâte. C'est vraiment le truc que je voulais faire. Et là on est juste en face, je vais vous montrer. En face on a la plage, c'est trop beau. Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm. You have the thematic option. I thought you put it on the phone. Ah oui, c'est très froid. J'ai attaché mes chaussures à mon sac comme ça du coup. Ah, c'est très très froid. Just a bit. Bien sûr, c'était mon idée d'aller mettre les pieds dans l'eau. C'était mon idée. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit? We only live once. On fait tout. You on my shoulders as long as I'm able.
scared the monsters under your bed. Deep in the chameaux et sur la plage, c'était trop beau, une partie du désert, et là du coup on s'arrête pour le goûter. Je vous mettrai toutes les informations pour réserver. Franchement, il est très très gentil, Mustapha. So tell us all about your camel riding. It was fun. En français ou en anglais? It's up to you, it's your world, squirrel. C'est vraiment très relaxant, ils sont tout calmes et c'est beau. Par contre, je pensais pas qu'il y avait autant d'arbres. T'as dit pareil dans le désert. Monsieur Chaton, il a l'air d'apprécier aussi. C'est bien? T'as dit plusieurs fois que c'était calme et que c'était beau. Allez, on va aller profiter, on va aller manger, goûter avec eux. You having fun over there? Ah, ils veulent faire le feu, je crois. Après 7 ou 8 plants dedans, ça donne, ça donne un goût différent de le thé que vous voyez ailleurs. D'accord. Tu veux dire? C'est toi qui fais la préparation comme ça? Le thé, ça, par exemple, les plants, je les ai achetés dans le souk, tu vois. Ah, oh, ok. Ouais, après, je les ai coupés un de chaque sorte, tu veux dire. Je les mets là. Et c'est ta préparation à toi, ouais. Ta recette à toi. Ouais, exactement. Et ça, c'est le thé, hein, voilà. Mmh. On va mettre le thé. Comme... Alors, deux. Au lieu de 4 sucres, on va faire 2. Okay. Ça va? Oui. Après, le mettez dans un terrasse pour être séché. Ouais. Petit à petit, dès que ça séché pendant pour un mois et demi, oui. Et le mettez dans les sacs et le garde dans leur stock, comme ça, dans un lieu. Quand il a besoin de préparer un litre de huile d'argan, par exemple, il casse le noyau de. Regarde le verbe. On dirait quelqu'un qui vient. Il te va très bien. Oui, ça te va très bien. Je te jure, ça te va très bien avec ça. On te regarde directement. On dirait Michael et Sion. Ouais.
Super. Allez, pour toi. Hey, voya, taking camel rides by the sunset. Bienvenue dans cette seconde journée au Maroc. On a bien dormi, franchement, c'est tellement calme là où on est. C'est trop agréable. Moi, je suis française, mais on habite au Canada. Il est canadien. Mais il parle français aussi. Hein. Un peu. Il comprend, bah oui, il comprend et tu parles un peu. C'est pour ça que je lui dis de parler français. Parce que je sais qu'il peut. She's always telling people about my French skills, but she's a little exaggerator. Il dit qu'il exagère, il parle pas aussi bien que ça, mais si, il parle bien. That was for your audience. Oh bon. Tu dis ça pour le vlog. Qu'est-ce que tu that mets was dans also les fruits not... dans le jus? Mandarine et la grenade. Merci. So this is Madame Croissant getting. Si besoin aussi pour ta copine ou l'autre. Quartered into buying a bag. She claims she doesn't want it, but you know. Non, c'est parce que look at her. She says she cannot say no when she's approached by a salesperson. Look at her trying. Canada, look at her. Regarde où on habite. Toronto. Toronto. Ah si, ah oui, c'est bien. Video photo. It's a video. Oh. For someone that's, you know, constantly taking videos, she definitely doesn't know when it's video time versus when it's photo time. Qu'est-ce que tu dis? Nothing. Don't tell her. Est-ce que tu parles avec mes abonnés sans que j'écoute? Hey.
Monsieur Chaton qui se fait des copains parce que le monsieur a lu derrière son maillot en fait, c'était le championnat et du coup il lui a posé des questions. D'habitude c'est moi qui parle avec les gens et les inconnus, donc je voulais documenter le fait que ce soit lui qui parle avec les inconnus. Troisième et dernier jour, et on se balade au marché. Il y a là où tous les pêcheurs en fait viennent vendre leur poisson le matin. Vous pouvez en prendre et vous pouvez le faire cuire directement. Donc je vais juste vous montrer rapidement. Je vais pas trop parler parce que c'est pas trop confortable d'être avec la caméra à parler comme ça mieux tout le monde. Mais regardez. Mais j'attends bien maman. On est revenu se balader au port ce matin. Et en fait, là, les pêcheurs, ils viennent de rentrer. Du coup, ils sont en train de mettre les poissons qui vont pas servir, qui vont pas vendre. Ils les mettent dehors, là. Et, merci pour cette analyse. Et là, du coup, il y a toutes les mouettes qui viennent chercher à manger. Regardez. I saw it. Apparemment, elle a vu un oiseau qui fait caca. Voilà. Merci pour cette intervention très utile.
Vous allez peut-être pas me reconnaître sans ma frange, mais c'est bien nous. On a fait un massage, gommage, hammam, tout ça. Du coup, j'ai plus de frange. J'ai plus de frange, j'ai plus rien. Mais c'est bien nous. Et on part maintenant manger. C'est 4h de l'après-midi, donc c'est notre dernier après-midi. On va aller manger au bord de la plage et après, on va aller s'occuper de ramener quelques cadeaux. Et voilà. J'espère que vous allez bien entendre parce qu'on a mis le petit micro au lieu du gros pour que ça soit un peu plus discret. Là on vient de prendre du poisson, donc dans le port, on est revenu en fait dans le port. On voulait manger au bord de la plage, mais en fait le restaurant qu'on avait repéré, la terrasse, c'était seulement un bar en fait, c'était pas un resto. Donc là on vient de se poser, on a discuté avec des gens qui venaient des Canaries. Mm. On a parlé un peu espagnol. Mm. Tu comprends hein? And for my non French speakers out there. So what she's saying is we are currently at a restaurant where they take the fresh fish or the fresh seafood catch of the day and they will cook it for you as you sit and wait for it. J'avais pas encore dit ça en français, mais oui, on vient de prendre. Il a parlé plus vite que moi. Mais oui, en fait, on vient de commander en fait le poisson. Merci. On vient de commander le poisson qu'ils ont pêché ce matin. Et vous pouvez commander dans, vous choisir dans l'étal. Et vraiment, c'est vraiment une des choses à faire ici. Et en fait, ils le pèsent et ils vont le cuire pour nous. Et là, ils nous l'amènent. Donc, on a pris. Qu'est-ce qu'on a pris? Du rouget et des crevettes. Voilà. Et il fait vraiment, vraiment super beau. Et il est 4h30 de l'après-midi. Donc, c'est un petit peu en goûter quand même. Tu as le goûter? Il a repéré des chats encore. Il y a des chats de partout en fait. Et là, dès qu'ils entendent que vous avez de la bouffe, ils viennent. Donc, voilà. Mmh. C'est toi qui as les crevettes? C'est la fin. Bon ben en France.